Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et oui de retour et regardez ce qu'il y a derrière moi, il y a un gros colis. Vous avez été nombreux à participer sur Instagram parce que je vous ai demandé à votre avis qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Et bien rendez-vous ce soir à 20h30, voilà 20h30 on sera en live sur la chaîne pour JURP et on ouvrira en début de live ce gros colis géant. Je me suis trimballé à Paris avec ça. Je peux vous dire que, bon bah déjà je me suis fait contrôler par la police, ça c'est sûr et certain. Ils ont cru que j'avais un cadavre quoi. Parce que c'est vrai que le colis il fait peur quand même. En tout cas, ouais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont participé sur Instagram les gars. Je vais regarder un peu vos réponses là, parce que bon, j'ai déjà regardé tout à l'heure. Il y en a un qui a trouvé. Et... figurine, Spider-Man Deadpool, l'alien, la salle, nouveau vêtement, Spider-Man, un doudou Spider-Man. L'alien, un cadavre, Mbappé. Bon, il y en a pas mal qui ont trouvé plus ou moins, ils sont assez proches. On verra demain. En tout cas, il est gros, il est beau, il est beau. Donc du coup, les gars, nous, on va se retrouver avec Pancrate et Bonbon. Bonsoir Pancrate, bonsoir Bonbon. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Voilà, je veux dire, je viens de rentrer de Paris, donc je peux vous dire que si ma voix, c'est une petite voix de bébé, c'est tout à fait normal. J'ai une petite voix. En tout cas, aujourd'hui, on va forcément faire un parcours hein, avec la moto la plus rapide de GTA 5. C'est confirmé, on l'a vu dans la vidéo de la salle. C'est la moto la plus rapide de GTA 5. Elle bat la BF400. Et ça, j'étais assez choqué quand même. Donc c'est parti, let's go, les gars. J'espère que vous êtes chauds. Bon, en tout cas, moi, si je suis pas trop chaud dans le parcours, me saignez pas dans les commentaires parce que là, vraiment, je suis mort. J'ai eu un week-end assez mouvementé. Allez, c'est parti, go! Ouh, je prends le départ boost en plus. Alors, ce que je kiffe dans cette moto, c'est les roues. Oh là là, franchement, c'est une dinguerie. Ils disent que, quand même, dans la newsletter, les gars, que la moto, elle est. En gros, elle s'adapte à toute route, quoi. Vous pouvez aller où vous voulez, les gars, désert, tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit désert. C'est un terrain, je crois, non aussi. Ouais, mais en gros. Ouais. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe la moto. Moi, les gars, je suis en roue perso. Wow. Ça va y aller en roue tout le long, les gars. Ouais. Ouais, la même. Wow, Pancrate. Ah, ouais, le mec, il est pas dans la vue. Ok, on arrive les gars dans le désert. Wow, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Wow, ouais, stylé. Non, je peux le... Ah ouais, si, je peux pas avoir le pont. Ah ouais, oh, de la pyramide magnifique. Ouais, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Allez, c'est stylé allez. Les gars. Franchement, le parcours pour l'instant, les gars, je kiffe. On monte sur des pyramides, c'est grave stylé. Ok, ok, c'est bon. Bon, c'est bon, mamie, elle est bonne, les gars. Là, elle est bonne. Je peux vous dire que là, le désert, c'est un bon. D'ailleurs, c'est en Égypte. Est-ce que vous avez déjà été en Égypte, les gars? Jamais? En Égypte, non. Égypte, c'est, vous savez quoi? Égypte, c'est un pays que j'ai toujours voulu kiffer faire. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi un peu, selon vous, enfin, vous, c'est quoi votre destination préférée, les gars? Où vous voulez vraiment y aller? Vraiment la max? Où je voudrais. Alors, je sais déjà dans les commentaires, ils me répondent. Ensuite, les gars, vous, on va commencer par Pancrate, tiens, vu qu'il est premier. Moi, en vrai, je kifferais aller aux États-Unis. États-Unis? Ouais. États-Unis, c'est-à-dire quel pays? Bah, state, quoi. C'est un pays déjà. Oui, mais je veux dire. Les states, quoi. Les states, quoi. Ouais, mais plus vers Los Angeles, tout ça, tu vois. Ah, la ville de GTA. Ouais, voilà. Ok, ensuite, toi. Ah bah non, c'est plutôt vers plusieurs New York quoi, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit quel truc. Quel secteur. New York, toi? Ouais, vers New York, c'est... Ouais, je kiffe trop là-bas, je sais pourquoi. Ah ouais. Et bah vous savez quoi, les gars, petite anecdote. L'année dernière... Non, c'était pas l'année dernière, si c'est l'année... Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je devais aller à New York, les gars, avec ma famille, parce qu'il y a tout le monde qui est parti, en fait, tous mes cousins, machin. Et je devais y aller avec eux. Mais non, je me suis coupé mon doigt, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez quand je me suis coupé le doigt. Ça ah oui. Ouais voilà, quand je me suis coupé le doigt, bah en gros bah je pouvais pas parce que j'avais le doigt coupé quoi. Et du coup j'étais obligé de faire des soins. Et vu que je pouvais pas faire les soins aux États-Unis, bah du coup j'ai pas pu y aller. Et à cause d'un petit doigt. Et j'étais vraiment dégoûté d'ailleurs. Vraiment dégoûté. Mais c'est pas grave au final. Bah voilà quoi, j'irai un autre jour. Mais c'est vrai que États-Unis.
Enfin, New York, du coup, on devait aller à New York. Bah, ça s'est pas fait. Par contre, c'est normal, on les cueille ici depuis tout à l'heure, là. Ah ouais, le gars, il a mis 86 points et... En fait. J'espère que c'est pas que ouais, c'est très très long. Ouais, je sais C'est pas, il pas le chaud. fait. Depuis tout à l'heure, je sais pas, je suis en train de parler. Bon, je kiffe, hein, c'est stylé, mais... Ouais, que ton pour 28 c'est tout. Ah ouais. Me dis pas qu'on va rester là tout le long, quand même. Bah si, je crois. Sérieux? Bah vu comment ça commence à être, ouais, je crois. Ouais, Ouais. bah. Est-ce qu'il n'y a pas de parcours après? Bah je crois pas. Ah ouais, c'est quoi le parcours là? Bah, c'est Attends, pas un parce qu'il y a un parcours. saut après, regarde dans l'eau. Non, je sais pas. Mais je sais pas, en fait, je comprends pas le délire. Qu'est-ce que tu nous as fait là? En plus, c'est un français qu'on connaît du Ouais. coup. Mais qu'est-ce que. Je sais pas, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu nous as fait, Thomas là, je te comprends pas trop là. Allez, monte, moto. Ah ouais, on est collés nous deux. On se veut, hein, on se cherche. Ok, pour l'instant les gars, je suis bien. Allez, première place pour Edwin. Qui va gagner entre Pancrate et Edwin? T'as entendu toi, non? Pour dire Non. qu'il n'y a que ça. Non, non, même pas, mais je pense que c'est que ça, parce qu'il n'y Ah, a j'ai pris pas. du retard. Ouais, il y a qu'on peut même pas l'élément, donc je pense que c'est. Je te cache pas, une je voulais la faire tout à l'heure en plus. Mais je me suis, je sais pas, j'ai eu, tu sais, le truc qui me. Alminia, ouais. Bah, je sais pas. Je me dis que peut-être qu'il va y avoir un petit parcours. Non, non, non. Le Non, cas, en il nous vrai. fait kiffer. Ouais, On est à j'ai 43 vu, il sur fait la distance, c'est 86. écrit. Ouais, 34 là, ouais, je pense que. Et c'est écrit quoi en description? Bah, il y a écrit vous m'avez saoulé, je sais pas quoi. Très Ouais, marrant. ça vous m'avez saoulé et un. Ouais. Ouais. Ah ouais, donc au gros gars, il a juste fait des pyramides et. Ouais, il s'est pas embêté, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments, les gars. Ah, on sort là. Oh, attention! On sort pour retourner dessus. Ouh là là, les gars, ça rigole plus. Là, on est sorti. Là, on est sorti. Là, on est sorti. On est sorti. Et on re-rentre forcément dedans directement, les gars. C'est quoi le délire? Alors, les gars, là, franchement, je comprends pas du tout c'est quoi son délire au créateur. Il est vraiment parti dans un Là, je délire. sais pas, c'est depuis quelque temps, il met des pyramides dans ces dans ce truc là, dans ces créations. Je me suis dit comme il y a quand même trop de pyramides. Oh, attention, une nouveauté là. Il y a une petite nouveauté. Un petit saut. Et un petit saut, les gars. Par contre, c'est relou un peu de faire pyramide, sol, Ouais. pyramide. Bah, c'est Après, c'est clair une quoi. route, là, tu fais ça, c'est ouais. 54 sur Une route. 86. Ah, attention, il y a un petit saut là. Ouf. Wow, c'est quoi la pyramide géante là? Par contre, elle est géante. Wow, tu sais que j'ai fait une roue, j'ai failli partir en arrière, mais elle tient trop bien les roues là, la moto là. Bon, en tout cas, c'est la moto la plus rapide, mais. Disons que pour l'instant, les gars, je suis sûr qu'on peut stunt, en vérité. Bah, Ouais. pas les vitesses, ça passe. Hein. Ok, pour l'instant, on est toujours en train de faire le tour des pyramides. Alors, je sais pas qu'on. Je ne comprends pas le créateur, les gars, vraiment. C'est vrai que c'est lassant, les gars, désolé, mais. C'est quoi ce parcours là? Ah ouais, toi tu vas en roue, toi t'as pas peur. Bah non. Ok. Allez. Faut y aller, bordel de merde, faut y aller. Ok, je suis bien les gars. Je suis bien. Ça y est, on sort du parcours les gars. Pour une fois, encore une fois. Deuxième fois qu'on sort du parcours, mais par contre là... c'est clair que par contre et par contre, parce que disons que voilà, vraiment, c'est, je crois que ça doit être le pire parcours que j'ai fait sur ma chaîne YouTube là, clairement.
J'en ai fait des parcours, mais celui-ci, je sais pas si ça s'appelle pas un parcours, déjà ça pour commencer. Non, c'est une balade de santé. Une balade, c'est une C'est une blague, une petite bonne balade. blague. C'est une petite balade, voilà. On aurait dû raconter une petite histoire en fait. Ça, vous savez quoi? C'est des courses où on se raconte des histoires. Ah bah, Vous savez quoi? Je vais vous raconter une c'est petite sûr. histoire pour finir, les gars. Alors, une petite histoire qui m'est arrivée à Paris. Je suis. Voilà, vous savez, j'étais à Paris ce week-end, hein, tranquillement. Et j'étais. Alors, j'étais dans le 9-3, pour ceux qui connaissent, hein, le 9-3, Sevran, tout ça. C'est 9-3, c'est Sevran, ouais. Sevran, machin, machin. Et donc, j'étais avec des gens. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que les gens, ils me connaissaient. Mais ils l'ont pas dit tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, à la fin. Mon cousin il dit ouais machin. Enfin bref, on parlait de tu on parlait de quoi? On parlait de Snap, je crois, de story sur Snap. Et puis moi j'étais en train de mater mes vues sur Snap. Et le gars me dit ouais, comment c'est que t'as autant de vues? Et du coup c'est là que c'est venu en gros. J'ai expliqué ce que je faisais, tout ça. Et en fait il y en avait pas mal qui me connaissaient dans le tas, quoi. Et ça, les gars, ouais, c'est des mecs discrets. C'est des mecs discrets et ils se montrent pas. Bon, en tout cas, les gars, ça fait 10 minutes qu'on est en train de tourner. Ouais, c'est chiant. C'est relou. On a, allez, 6 points, les gars, 6 points. Je sais que c'est une souffrance. Wow, mais c'est vraiment une souffrance totale, là. Ouais. Allez, Pancrate, tu te rattrapes à la fin ou... Comment ça, Non, comment... On fait comment, là? On se la joue comment, Pancrate? je la joue premier, tu la joues deuxième. Tu penses? Pour la win, t'inquiète. Ah ouais, ça y est, c'est fini. À part si tu fais une petite chute. Je pense pas. Ah, les gars! Allez! Ah, je pourrais pas, c'est impossible. Impossible, les gars. Dommage, j'aurais pu te rattraper à la fin. Bon, en tout cas, sérieusement, c'était une petite balade de santé tranquillement, à base de tranquillade. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde.